Absente de TPMP depuis 5 ans, Agathe Oprou sort du silence. Via son compte Instagram, l'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna a annoncé son mariage et en a dit plus sur celui qui partage sa vie. Comme beaucoup de chroniqueurs de TPMP, elle doit sa notoriété à Cyril Hanouna. Agathe Oprou avait fait son arrivée dans le talk show à succès en 2017. Pendant 2 ans, la journaliste est restée un visage récurrent de l'émission quotidienne de C8 avant de se mettre en retrait pour raison de santé. Elle annonçait être atteinte d'un lymphome hodgkinien. En juin 2019, Agathe Oprou révélait être en rémission de son cancer et publiait un livre intitulé « Tout va bien, aide ». Albin Michel, décrivant sa vie pendant son traitement et son combat contre la maladie. Désormais, de l'eau a coulé sous les ponts pour la jeune femme d'origine franco-vietnamienne, âgée de 33 ans. Agathe Oprou future mariée, elle dévoile une magnifique bague. Si elle a connu des jours sombres lors de ses séances de chimiothérapie à l'hôpital, Agathe Oprou a retrouvé le sourire. En effet, elle vient de révéler être fiancée. Sur Instagram, ce dimanche 20 octobre, elle a fait une annonce retentissante. Je n'ai jamais rien dévoilé de ma vie privée, jamais montré mes mecs, ni jamais réagi aux rumeurs, etc. Mais bon, là c'est l'homme avec qui je vais me marier, donc j'ai envie de vous le présenter, et lui aussi a envie de vous connaître et il a les épaules pour. Il faut juste que je trouve comment, quand, etc. a-t-elle écrit en story, accompagnée d'une photo de la sublime bague offerte par son fiancé. Agathe Oprou a également publié une vidéo dans laquelle elle annonce la grande nouvelle à ses proches, notamment à sa mère. Alors qu'elle a fêté son anniversaire ce 17 octobre, elle a ainsi eu une demande en mariage en guise de cadeau. La jolie brune est aux anges. Agathe Oprou future mariée, qui est l'heureux élu? Si la journaliste, devenue influenceuse, partage des éléments de sa vie privée, le mystère plane toujours sur l'identité de l'homme qui partage son quotidien. En 2020, j'ai rencontré l'amour de ma vie, celui qui annule tous les autres et qui donne un sens nouveau à toute mon existence. Mon mec, bientôt mon mari, il faut juste qu'il me demande en mariage, est la meilleure personne que je connaisse. La seule faite pour moi, avait-elle déclaré sur Instagram. Nul doute que la jeune femme, plus amoureuse que jamais, devrait prochainement lever le voile sur le bélâtre qui a fait chavirer son cœur.